Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Ouais, Erzikova qui vient attaquer la Russe, là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Eh ouais, c'est les trois favoris hein, devant. Ouais, ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adeoye alors que Floria donne tout ce qu'elle a. Mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, pas vite. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique, a temporisé. Elle revient, voilà, la Russie. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quelle 400 mètres, Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non. Patrick. Je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Mais regarde. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci mais pour regarde, Muriel. Mais regarde, c'est énorme. Je vous ai dit qu'elles se battraient pour Muriel. Oh là là, Floria. Extraordinaire. Extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire. Extraordinaire. Il va falloir lui faire une statue. Ah ouais, moi je veux bien participer. Ah ouais, là c'est extraordinaire. Je sais pas, mais non, c'est énorme.